restaurant Edon à Toulouse. La particularité de mon restaurant, c'est que c'est un restaurant avec une table unique et un menu unique. Mais l'idée de ce concept m'est venue, enfin, on va dire que je voulais un restaurant assez simple pour pouvoir avoir plus de temps de cuisine, pour m'occuper de faire une cuisine plus précise. On peut imposer aux clients un peu ce qu'on veut et les emmener dans des terrains qu'ils ne connaissent pas forcément. Par exemple, une huître frit au levain, on fait notre propre pain avec notre propre levain naturel et on fait frire une huître dans le levain. Donc tout le monde arrive à la même heure et après, au fur et à mesure des plats, on leur explique ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans l'assiette. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une huile flottante salée, donc avec des champignons, du magret du sud-ouest et une sauce crème. Alors je fais cette recette parce qu'on pouvait se servir des produits de la région Midi-Pyrénées, notamment le magret de canard du sud-ouest, et qui avait une belle technique culinaire et qui a été assez intéressante aromatiquement. Alors cette recette, le truc qui est un peu marrant, c'est que je fais beaucoup de cauchemars la nuit, et en l'occurrence j'en ai rêvé. J'en ai vraiment littéralement rêvé, et le matin je suis arrivé, j'ai dit au gars, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça peut paraître un peu romancé, mais c'est vrai. On est tout le temps en train d'inventer la cuisine, de réinventer plutôt. Notre cuisine est régie par les saisons, donc c'est plutôt un avantage. Ça nous permet de pas être lassé des produits parce qu'ils changent tous les 2 mois, tous les 3 mois, et de renouveler notre carte très fréquemment. La région Occitanie est une région très riche au niveau des terroirs. Ce qui me fait vraiment vivre en cuisine, c'est de voir les clients heureux et qui repartent avec le sourire et qui gardent un souvenir ému d'un repas passé dans mon restaurant.